C'était dit, on va limiter, on va. Bon. Et puis finalement, on s'est dit, 50 ans, on va se lâcher. Donc on s'est lâché. Et on a commencé donc par exposer sur ce premier panneau plusieurs séries qui ont été réalisées pour notamment la Coupe de France, mais également dans les années 70. C'est les premières séries argentiques qui avaient été réalisées par le club. Tous les membres du club ont mouillé toute la route avant de faire la photo. Voilà, donc c'est déjà quand même une conscience de la mise en scène. Ah, j'ai ta femme, Alain. J'avais pas vu.
Un certain nombre de films que vous vous amuserez à retrouver. Et grâce à l'école Joueur Concept de Lens, qui a réalisé tous les maquillages et un certain nombre d'effets, on a tout photographié sur fond vert et ensuite remis en scène, à charge pour chaque photographe de trouver la mise en scène qui allait au niveau du fond. Sandra. Viens Sandra, je t'emmène.
Je t'emmène voir ta photo. Ah bah oui, regarde, c'est la photo de ça. Voilà. Ah oui. Regarde, la belle langue à Sandra. Ah ouais. T'es beau là, t'es beau. Regarde, avec le reflet de Jean-Pierre dans le... Oh oui, c'est oh. Pas beau ça. Oh c'est beau. Oh là 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 là. Ça c'est une vidéo qui va me l'air de l'air. Écoute, on fait des bisous à Sandra. Salut. D'exposer sur une seule ligne, c'est-à-dire de ne pas surcharger l'exposition et d'avoir un linéaire d'exposition qui est vraiment très très intéressant pour mettre en valeur les photographies. C'est le résultat de, ah, c'est de tout nos goûters, ce soir, de ouais. Tous les goûters de tout cet été. Entre Lille et Amsterdam. Et Amsterdam, il voyage. Il nous fait voyager. C'est une vacance d'été. Pascal. Je préfère le mettre parce que ce n'était pas forcément évident pour le coup d'œil. Mais non. Mais c'est une, voilà, c'est une belle déclinaison. Ah ouais. Tiens, bouge pas, bouge pas. Ouais. Je peux dire bonjour à Sandra. Salut. Alors, elle regarde Facebook en ce moment. Elle est pas encore arrivée. Je ne sais pas. On m'a dit, tiens, dans ça, il fait le tour. Je pense aussi. On vous voit aussi. Hein. On voit net là, et là, donc elle est inversée. Elle est belle ta photo, Régis. Régis, il n'a pas fait exprès. Et Régis, elle est belle ta photo. Et Régis adore les gouttes d'eau. Hein. Allez. J'aime bien ta photo. Ne te fais pas prier, Régis. Hein. Celle-là. Ah, celle-là. Hein, t'es un amoureux de l'eau. Oui, oui, oui. Ah oui, Régis, c'est beau. J'aime bien les photos. Je te mettrai sur la piscine. Ah oui, il y a qu'en fait, j'aime bien le site où je peux te relever. Oui, après je vais aller là. Sans toi, tu réagis en direct. Je suis d'œuvre d'art. Et t'es revenu, t'es encore là.
T'es connecté ? T'es connecté ? En live ? Bah oui. Ah bah oui. Ah bah tu vois. Et en plus c'est véridique. C'est direct. Bah oui. J'ai vu le problème. En fait, elle n'est pas en live, elle est en vrai. Deux chefs. Là, c'est Edith. Approchez-vous. On voit ses amygdales qui sortent de l'enceinte. Je vais parler un peu moins fort. Voilà. Pardon. Bienvenue à tous aux 50 ans du Photoclub Léo Lagrange. Monsieur le maire, monsieur le président du club de Vézin Léo Lagrange, madame la présidente de l'Union régionale qui s'est excusée, monsieur le président de l'Office de tourisme d'Armentrémois, monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les adjoints, chers amis photographes du photoclub Léo Lagrange, chers amis responsables des autres sections Léo Lagrange, et bien évidemment, je salue notre président de la section de rugby, également excusé Karine Merten, qui se joint à nous par la pensée, pour ses 50 ans du photoclub. Bienvenue à tous et à toutes dans ce lieu magnifique qui est l'hôtel de ville d'Armentières. Pour les 50 ans, quoi de rêver de mieux que ce magnifique bâtiment, ces salles majestueuses pour fêter 50 ans de photographie. Nous avons déjà eu l'occasion, pour plusieurs expositions, d'avoir l'honneur de bénéficier de ces espaces pour accueillir un public, notamment pour l'exposition 14-18. Mais quel bel hommage et quel beau clin d'œil aussi de la vue d'Armentières d'organiser nos 50 ans ici à l'hôtel de ville, peut-être pour essayer de se souvenir que grâce à la ville d'Armentières, grâce à la mairie, dès 1968 et dès 1972 pour les premières expositions, et bien c'était l'hôtel de ville qui déjà accueillait les premières expositions de ce tout jeune club photo. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement tous les membres du photoclub qui se sont mobilisés depuis des mois pour faire de cette semaine une réussite. Je ne les nommerai pas tous. Ils se reconnaîtront dans les personnes qui ont œuvré pour les impressions, pour obtenir l'ensemble des grilles, pour préparer les jours qui nous attendent, notamment l'accueil des anciens qui aura lieu samedi prochain, et puis un certain nombre de surprises que nous leur réservons, qui ont œuvré aussi pour retrouver d'anciens clichés réalisés dans les années 60-70. Nous avons tous été touchés par cette façon de travailler ensemble qui nous a tous rappelé ce qu'était le club photo à l'origine. Eh bien, un groupe d'amis, un groupe de copains, de copines, qui avaient tous entre 17, 18, 19 ans, 20 ans, et qui, au sortir d'une sortie en section camping pour le Rotary qui finançait cette
bien de monter, de créer ce club photo pour donner à la photographie une association, un cadre de celui du club de loisirs, un lieu, celui du foyer Prospect, que nous avons quitté seulement cette année et qui a été le lieu emblématique de ces 50 années de club photo. Je voudrais remercier et excusez-moi si j'oublie un certain nombre de personnes, très chaleureusement également l'ensemble des services de la ville d'Armentières. Ils nous ont accompagnés ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours, avec une grande qualité, un esprit vraiment attaché à ce que tout se déroule au mieux, cherchant des solutions avec nous quand nous rencontrions un certain nombre de difficultés ou de petites ou diminuées problèmes à régler. Je voudrais remercier notamment Xavier de Rhône, Nathalie Tarabico, Grégory Leroux, Virginie Paul, Olivier Chavet. Je tiens également à remercier, et nous aurons l'occasion de le faire à un autre moment, l'ensemble des services et des techniciens de la ville d'Armentières qui, aussi bien pour l'aménagement de nos nouveaux locaux au pôle culturel, à l'ancien collège des Rousseaux, qui a eu lieu au début de cette année avec des travaux qui ont été clôturés cet été, ont vraiment apporté au club photo et au club de Lagrange une qualité de service, une approche professionnelle, une écoute vraiment parfaite. Donc vraiment merci à tous pour à la fois vous accueillir ici, monsieur le maire, et pour le très beau cadre que vous nous offrez au sein du collège des Rousseaux, enfin de l'ex-collège des Rousseaux, au sein du pôle culturel, qui va permettre, j'en suis sûr, au club photo, eh bien, dans 50 ans, de fêter son siècle. Je voudrais enfin remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour la réalisation de cette exposition. Tout d'abord, l'école Joueur Concept de Lens, avec qui nous avons réalisé l'ensemble des effets spéciaux et des maquillages concernés à la réalisation du calendrier. L'entreprise multimécanique de Saint-Vert, qui nous a fait plaisir de mettre à disposition cette EDS clin d'œil à mai 68 et à septembre 68 pour cette arrivée devant l'hôtel de ville il y a quelques minutes, mais également mis à disposition un centre de véhicules pour les clichés réalisés dans notre calendrier. Je voudrais enfin remercier nos sponsors, le restaurant La Crêperie du Singe, la société à la Bonne Bouffe à la Chapelle d'Armentières, l'agence Rock Éclair d'Armentières, l'agence Val-de-Lys Automobile à la Chapelle d'Armentières, l'agence La Forêt également à Armentières, la SR chez nous à la Chapelle d'Armentières et la boulangerie La Boulange à Armentières. Grâce à eux, nous avons pu financer une partie de cette exposition. Nous avons pu financer également une partie de la production du calendrier, dont la vente nous permettra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, eh bien, de continuer à développer ce photoclub et à l'équiper, parce que nous avons, comme vous l'avez compris, de magnifiques locaux. Nous avons eu énormément de nouvelles inscriptions en septembre. Ça va maintenant à nous de poursuivre l'équipement, de l'améliorer pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces adhérents dans les meilleures conditions et leur proposer tout ce à quoi ils s'attendent, notamment en termes de prise de vue. Je voudrais enfin remercier nos trois invités d'honneur.
garder leur réputation de région et de ville particulièrement accueillante. J'ai donc trouvé un club très accueillant, tellement accueillant, et bien qu'ils ont bien voulu me confier ainsi qu'à mes collègues la responsabilité de ce club depuis 2013. Avec mes collègues, nous essayons de vous en montrer digne et de proposer ce qui a toujours animé le club Léo Lagrange et le photo club, un accueil de qualité, un accueil chaleureux, avec beaucoup d'humour, un accueil convivial dans le respect des différences, ouvert à tous. Je terminerai enfin pour dire qu'un club qui compte encore ses adhérents qui l'ont fondé parmi des photographes actifs qui s'investissent au quotidien, notamment dans l'organisation de cette exposition, eh bien c'est la preuve qu'il fait bon être photographe au photoclub Léo Lagrange, qu'il fait bon adhérer au club de loisirs Léo Lagrange. Merci à tous et bonne exposition. Parce que, évidemment, le numérique a amené une révolution
Il aurait pu y avoir une querelle des anciens et des modernes, dans l'argentique c'était forcément mieux, c'était plus achevé, ça demandait plus de capacité, le numérique c'est plus facile, etc. On s'en rend compte finalement que l'arrivée du numérique a donné à l'art de la photo une dimension nouvelle, des perspectives nouvelles, et finalement les liens entre l'argentique et le numérique ont pu se faire très facilement, et je pense pouvoir dire, et en remercier Éric Geoffroy Dubois et l'ensemble des animateurs actuels de la section, que ce passage numérique a été extrêmement bénéfique pour notre job, et je pense que la qualité des photos exposées le montre. Il y avait évidemment aussi des challenges et des ans pour maintenir, à l'époque c'était quelques années issues des photographies de l'époque, pour amener de nouvelles personnes, les amener, mais aussi les retenir, les former, et un peu à la fois prendre au sein de notre club une place tout à fait particulière. On ne compte plus depuis des décennies le nombre de reportages, de photos qui ont été faites par la section photo vis-à-vis des autres sections, le nombre de reportages qui ont été présentés lors de nos âgés, et hier encore, pour cette administration, Eric faisait part d'un projet pour 2019, plus interactif avec les différentes sections du club, puisque c'est pour celle au moins qui serait partant pour un nouveau challenge de la section photo. Donc je pense pouvoir dire que la section photo se porte bien. Elle le doit évidemment à tous celles et à tous ceux qui l'ont animé depuis son démarrage. Elle doit aussi, M. le maire, et en grande partie, au soutien effectif de la ville, de votre père, au démarrage de la section. Dès le départ, nous avons eu la chance d'être doté de matériel très performant à l'époque, qui a donc permis un bon démarrage, et cette sollicitude, depuis des ans, ne s'est jamais démentie. Donc, un grand merci, M. le maire, à la ville, à ses services, pour le soutien permanent qui est donné à notre section. Alors évidemment, je ne voudrais pas terminer sans citer deux personnes qui nous sont à cœur aujourd'hui. Edith Lecomte, qui était l'une des pionnières de notre section photo, parce qu'elle a adhéré dès la première année. Elle a participé à la section photo, elle participait aussi aux ateliers artistiques de notre section. Elle a été de toutes les aventures et elle nous a quitté il y a une dizaine de jours. Et comment ne pas citer Janine Foulin, qui a été un peu la marraine de cette section, qui a été la marraine, j'aimerais dire là, des fautes de photophonie. Je pense qu'aujourd'hui, toute la section photo du club de la Grange a une petite pensée pour elle. Dire aussi combien je suis heureux de pouvoir rencontrer à nouveau Christian Benet, qui nous a quitté il y a quelques temps, et qui est revenu aujourd'hui spécialement exposition. Il a été pendant un certain nombre d'années un excellent compagnon de route et de tout ça, Christian, je voulais te remercier. Donc, je voulais un peu terminer en remerciant encore M. Bert et la ville entière pour sa sollicitude. Remercier tous celles et tous ceux partenaires et sponsors qui ont permis le déroulement de cette manifestation. Remercier évidemment l'ensemble des membres de la section photo pour le travail énorme qui est fourni pour rassembler les documents, pour leur donner une cohérence. Je remercie aussi Eric Loïc Pierre-Baudran et Nathalie Lefebvre, notre directeur, notre secrétaire, qui est ici dans cette organisation qui a été partie de notre. Donc, bon vent à la section du club de la Grange. Rendez-vous pour celles et ceux qui sont encore là dans 50 ans pour embêter vos. Il me revient de terminer cette phrase parfois un peu fastidieuse, mais bien agréable, parce que nous nous retrouvons. Je voudrais saluer bien sûr ceux qui sont exprimés avant moi. Permettez-moi d'abord saluer M. le maire de Montréal, qui est bientôt président du club de la Grange, cher Claude. Saluer bien sûr M. Eric, le président que tu es aujourd'hui depuis 2013.
et ça me fait l'occasion, je me prends l'occasion de saluer bien sûr les présidents, puis bien sûr Christian, puis Alain, puis toi, cher. Et saluer les élus qui font évidemment l'honneur de leur présence. Je vais citer évidemment Jean-Michel est allé venir à moi, mais aussi la grande culture, et il porte l'ensemble des projets culturels de cette ville. Hier, nous étions, n'est-ce pas, votre majesté, avec un ingénieur ici même pour un moment festif qui est l'after meal. Vous voyez, nous baignons dans des champs différents, mais bien sûr, le folklore, la culture, bien sûr, les arts ont toute leur place dans cette ville où nous avons. Je voudrais saluer chacun des adhérents du club en leur disant, d'abord, vous avez vu le clin d'œil, nous sommes venus avec une EPS de 51 ans pour marquer évidemment ce demi-siècle. Et je me disais dans la voiture, une reine, une EPS, ça va être difficile à tenir. Mais je me disais aussi que, bon sang, c'est photographe quand même, de quelle muse s'inspire-t-il ? Parce que quand on les regarde, je me souviens, et j'ai réalisé un certain nombre d'expositions sur la danse, beaucoup plus sérieuses, sur le 14-18, où il y a toujours cette petite magie de l'image, de fixer le temps, de fixer le regard, de fixer la personne, toi qui aimes les portraits. Je me disais aussi qu'il faut une légende pour les saisir dans un instant comme celui-là et essayer de leur donner une expression, un regard, un visage, évidemment, qui marque un moment de ce temps. Je me disais aussi qu'il y a beaucoup parmi vous, est-ce pas Christian, Pierre, Christian Silver, Yves, des adhérents qui sont depuis l'origine. C'est révélateur, si je puis dire. Et il faut vraiment un fixateur, je ne sais pas lequel, pour rester aussi longtemps adhérent d'une association. Si, je vais vous dire, faire une petite confidence, on est entre nous, on est dans le club photo, non, ce sera. Eh bien, j'ai eu la chance de participer de quelque sorte de campagne. Moi, j'étais un petit jeune, j'avais des petits. Et j'ai observé, d'abord, c'était. Très très marrant, très souvent. Et même qui se sont mariés, en Paul. Ça veut dire beaucoup comme il y a deux choses. Et puis surtout, il y avait cette soif de découverte, cette soif d'aventure. Ils le sont encore, certains d'entre eux font encore des vidéos. Ils font même, pas si longtemps encore, des sports kitesurf ou d'autres aventures comme celle-là. Et ils sont toujours là. Et ils transmettent, et ils apprennent. J'ai une pensée pour Gérard VDB, que Claude nommait tout à l'heure, parce que je le vois encore, au pied, à la caserne, évidemment, s'échapper, bien sûr, venir nous rejoindre, avec son épouse, et faire la fête, parce que c'était ça, l'amitié. C'était le creuset du club photo, mais c'est aussi le creuset, et je regarde Henri en disant ça, de bien des sections, les Blagrange, ce caractère chaleureux, amical, que d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas la banquière, qui s'est dévoilé tout à l'heure, nous a révélé, nous aussi, c'est-à-dire cette convivialité, cette chaleur, cette spontanéité, et bien qu'on retrouve le peuple pas étonnant des nôtres, qu'il y a une certaine longévité, je suis président, non seulement une longévité amicale, mais aussi une progressivité technique. Vous l'avez dit, l'argentique. Merci à Gérard qui a initié beaucoup d'entre eux. Merci aussi à certains qui ont été les relais. Et à ce moment, bien sûr, moi j'ai pensé d'abord trois invités d'honneur qui ont joué un rôle important dans la vie du club photo, bien sûr. Christian Jamblène qui est là maintenant et qui a évidemment été plus que la cheville ouvrière, aussi là de ce club pendant des années. Et bien sûr, j'ai aussi une pensée directe. Vous savez, l'investissement, la photo également, et puis bien sûr Philippe, qui en est quelque part un produit, n'est-ce pas, mais qui a aussi fait un métier, et il a aussi toujours eu cette inspiration et cette volonté de nous céder aussi une partie de cet art qu'on entend et qui fait le plaisir de nos yeux dans ces moments comme celui-ci. Je voudrais aussi, moi aussi, saluer un peu tout
montre bien qu'il y a une folie aussi dans l'équipe de photo. Photofolie. Ça porte bien son nom. Et donc, quand on pense à Photofolie, on pense bien entendu à Janine Follin, qui était un petit peu célébrée la marraine, et qui en faisait toujours un événement bien voulu, populaire, parce que la photo est un art populaire, bien entendu, mais qu'elle voulait aussi capter, et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez fait, et nous avons fait ensemble, un beau chemin qui s'est révélé avec des résultats. J'en ai quelques-uns en tête, pour remporter des présences au premier niveau national, ce qui veut dire aussi que, avec évidemment l'amitié, avec on va dire le cœur, eh bien, on arrive aussi à faire des choses qui, techniquement, peuvent être reconnues d'un excellent niveau. C'est en tout cas le destin, mais c'est aussi l'objectif du club photo d'Armentières. Un petit clin d'œil à la Edith, parce que ce serait dommage de ne pas l'associer, comme la voix représente, elle était aussi, elle faisait partie aussi de ce corps, du club de photo. Et puis j'ai une pensée de manière générale pour chacun de nos adhérents, il y en a qui nous ont quittés, bien sûr, mais il y a toujours cette ferveur, cet amour de la photo. Et puis on est très heureux avec Jean-Michel, en ayant, cher Claude, perpétué un peu ce soutien. Cette affection qu'on a pour le club de la Grange en général, mais en particulier pour ce club photo qui ne campe plus, pas sur la rue, qui a trouvé des murs de qualité, bien sûr l'histoire de Consolette qui fait partie de nos gènes à tous, et de plusieurs sections du club de la Grange, mais aussi aujourd'hui un pôle culturel où on retrouve beaucoup, pas encore tout, mais la deuxième phase qui va être engagée bientôt. Tous les arts majeurs, bien sûr, mais aussi pour les mineurs, même s'il y avait toutes les lettres de noblesse, au même endroit. Ce qui va sans doute donner, je le soupçonne, aux photographes que vous êtes, des idées de croisement des genres, et aussi d'utiliser, on l'avait déjà expliqué sur la danse, sur la photographie, des motifs de. Le balai.
Donc